Bonjour, c'est Vincent hein, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, dans le parc national des Calanques. Hein, moi, je suis instructeur trainer, je peux vous former du débutant au moniteur de plongée loisir et aussi au moniteur de plongée tech. Alors, une question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce que je peux utiliser pour faire facilement de la photo, de la vidéo en plongée? Alors, j'ai trouvé l'arme ultime. Alors bien sûr, il existera toujours mieux, effectivement, avec tous les développements, etc. Mais j'ai trouvé un produit super sympa. Alors pourquoi je l'aime bien ce produit, hein? Ce produit, c'est la Paralens. Ça, c'est un produit, une caméra qui fait aussi bien des photos que de la vidéo, plutôt de la vidéo, on va dire. Vous voyez tout de suite à son format, super pratique. Hein? Conçu nativement pour aller jusqu'à 200 mètres. Hyper costaud, super. On peut le fixer sur son gilet. Hein, et il est toujours sous la main, disponible, etc. Et les vidéos sont d'une qualité hyper sympa. Hein, donc on pointe à la main, il n'y a même pas de quoi voir à l'écran ce que l'on filme, mais c'est un peu comme les action cam classiques, hein, avec un grand angle. Et je vais essayer de vous poster vous mettre en même temps que je parle des vidéos. Vous allez voir, c'est épatant la qualité que ça a. Le gros avantage de cette caméra, c'est qu'en plus, elle a été faite par des plongeurs pour des plongeurs. Et donc, elle contient un système qui ajuste la balance des blancs en fonction de la profondeur. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est accès extraordinaire, pas besoin de filtre rouge, besoin de très très peu de correction. Alors moi, sur eMovie, j'utilise des fois la baguette magique pour améliorer les choses, mais c'est à peine nécessaire. Donc, c'est pas avec ça. Vous allez faire des films qui vont être primés au Festival de Cannes. Hein, mais ceci dit, ça fait vraiment des super vidéos. Hein, moi, je trouve que c'est vraiment un très très, très très bon produit. Bien sûr, un petit peu plus cher que les Action Cam classiques, mais tellement plus pratique et vraiment, vraiment, vraiment fait pour la plongée. Facilement rechargeable, une bonne autonomie. Hein, on va dire que ça tient la journée, quoi, en fait. Donc, on doit pouvoir filmer un peu plus d'une heure au total. Vraiment, c'est un produit que j'aime bien, facile à utiliser, hein. Vous tournez la bague ici, ensuite on ajuste ici, il y a des petites vibrations qui vous disent que ça fonctionne. Donc vraiment sympa. En tant que moniteur de plongée, moi c'était le produit dont j'avais besoin. Hein. Ça m'évite d'avoir une caméra avec le boîtier qu'il faut ouvrir, etc. Voilà, donc ça c'est un produit, vous pouvez l'acheter, bon, vous trouverez plein de sites pour l'acheter, vous pouvez me l'acheter auprès de moi également. N'oubliez pas que je fais aussi de la formation vidéo. Donc bien sûr, ça va pas être de la formation de grand niveau sur le fonctionnement du caméra, etc. Mais c'est plus sur les basiques, comment cadrer, comment travailler sur sa flottabilité pour faire des images qui ne tremblent pas. Alors il faut savoir aussi que dans la Paralens, vous avez un stabilisateur vidéo, ce qui n'est pas forcément le cas sur mon smartphone. Hein, donc vous pouvez voir avec la houle ou avec mes déplacements, la caméra, l'image va bouger. Et ben avec la Paralens, il y a un stabilisateur vidéo intégré. Donc vraiment ça, pour l'avoir testé, un bon produit. Hein, comme vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, je pars bientôt en spéléo. Je vais l'emmener parce que là, ça c'est pratique. Hein, j'ai juste à le mettre ici. Je peux sortir facilement. Vraiment un produit très robuste. Qui ne risque pas d'être endommagé par les chocs. Voilà tout simplement. Donc ça s'appelle la Paralens. Très bonne caméra vidéo et très bonne idée. Cadeau, beau cadeau pour un plongeur, beau cadeau de Noël. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne Aquadomia One. Et puis bien sûr, si vous voulez des informations sur la formation plongée, hein, je rappelle que cette chaîne est dédiée à la formation plongée, n'hésitez pas, posez-la en commentaire, hein, votre question. S'il vous plaît, un petit bonjour, une petite formule de politesse, c'est toujours plus sympa que les formules laconiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année. À bientôt!